pour moi un plaisir et un honneur de vous présenter Madame Françoise Lainé, professeure émérite d'histoire médiévale à l'Université de Bordeaux. C'est là qu'elle a fait sa carrière, ou l'essentiel de sa carrière, avec le rayonnement que nous savons. Je connais Madame Françoise Lainé depuis un nombre respectable d'années, n'est-ce pas ? 42 ans. 42 ans. 42 ans, puisque j'étais membre du jury d'agrégation de l'histoire féminine d'histoire lorsque elle a passé et réussi ce concours. Depuis, elle a fait son chemin, et je ne citerai qu'un seul titre, ce livre qu'elle a publié dans une collection que nous dirigeons avec Jacques Verger chez Champion, et un livre qui a été fait en collaboration avec Chris Given-Wilson sur les prisonniers de la bataille de Poitiers. Donc aujourd'hui, elle va nous parler d'une autre période et d'un autre espace, les mercenaires savoyards entre France et Angleterre au début de la guerre de Cent Ans. Ce dossier résulte d'une exhumation. J'avais rencontré les mercenaires, enfin les gens de guerre savoyards, parce que j'ai été imprudente en avançant ce mot qui ne convient pas. J'avais rencontré ces mercenaires une quinzaine d'années, puis je les ai remis dans une boîte. J'avais parcouru les contes de Barthélemy du Drac et je les avais trouvés un peu amusants, un peu pittoresques, parce qu'ils avaient une coquetterie. Ils employaient des ménestrels à cheval. C'était les seuls qui avaient cette petite particularité. C'est pour ça que je les avais mis de côté. Et puis, l'occasion faisant la larronne, je les ai exhumés. Et surtout, regarder d'un œil nouveau, repris. L'autre occasion est venue du fait de l'analyse des rôles gascons avec Guillaume Pépin, puisqu'il y avait d'un côté une pièce du dossier documentaire « Le comte de Barthélemy du Drac, nouvelles acquisitions françaises 9236 ». De l'autre, des rôles gascons, en particulier ceux de 1337, 1338, et année suivante, où la Gascogne se met en défense et on voit apparaître face aux mercenaires savoyards et dauphinois recrutés par le roi de France, eh bien, un homme, un capitaine de guerre, qui est lui aussi à peu près de la même origine. Nous allons revenir là-dessus. Je ne me permettrai pas de détailler les opérations militaires. Notre hôte l'a fait, simplement dans la version écrite, comme j'ai reconstitué les courbes d'effectifs par quinzaine. Cela apporte quelques petits détails supplémentaires que j'ajouterai. D'autre part, je ferai référence à la thèse de Franck Le Grand sur les hommes de guerre opérant dans la France méridionale, qui apporteront quelques détails supplémentaires. Mais enfin, pour aujourd'hui, je rapporterai juste le cadre matériel des opérations. C'est simple, c'est la vallée de la Garonne. En 1338, Jean de Bohême arrive comme lieutenant du roi à la fin de l'année. Il arrive au début de l'année 1339. Le maréchal de Lost et Louis de Poitiers. Les troupes se rassemblent à Marmande au printemps et marchent vers la Réole, essaient de prendre Bordeaux, c'est un échec. Les effectifs fondent à l'automne. Les opérations reprennent à peu près dans le même théâtre, mais un peu en retrait, dans l'ouest de la Genêt et le Condomois l'année suivante, et l'année d'après, cette fois-ci avec Louis de Poitiers, qui intervient d'abord dans une affaire comingeoise, puis revient sur le théâtre d'opération garonnais. Mais encore une fois, Jonathan Sumption a si bien écrit la chose que ce n'est pas la peine d'y revenir en détail aujourd'hui. Aujourd'hui, je verrai plutôt les effectifs et je m'intéresserai aux 350
chef de compagnie que j'ai environ, que j'ai pu répertorier à travers les deux compagnies successives de Pierre de la Palue en 1338-39 et en 1339-40, du Gallois de la Baume en 1338-39 parallèlement à Pierre de la Palue, et également de Louis de Poitiers, étant bien entendu que certains paraissent dans deux compagnies. J'ai combiné tout ce petit monde sur des feuilles de tableur. Bien sûr, je n'ai pas exploité tous les renseignements. J'ai exploité la date d'entrée en service, la date de fin de service, signe plus à l'arrivée, signe moins à la sortie, pour combiner ensuite les effectifs sur la feuille de tableur. Il y a des détails sur les paiements, je les ai laissés tomber. J'ai pris les effectifs par catégorie, les restaures de chevaux, bon là je n'en parlerai pas particulièrement aujourd'hui, et surtout les détails quant à la provenance des hommes, car le retour ou l'aller, ou parfois les deux, leur sont payés. Ce qui nous dit d'où ils viennent assez précisément. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les observations sur les pertes en opération sont impossibles. Je n'ai trouvé qu'un chef de compagnie mort en opération, c'est mis 1 sur 350, mais avoir le nombre de chevaux morts, alors bien sûr, il peut y avoir des accidents et des maladies quand même, je me dis que parmi les hommes du rang, il y a peut-être eu plus de pertes qu'on ne le croit. Premier point, s'agit-il de mercenaires ? Dans son ouvrage sur les mercenaires, Kenneth Fowler, en présentant les Dramatis Personae, commence par les grandes compagnies, leur envoi en Espagne. Là, il y a des mercenaires dans le théâtre d'opérations franco-anglais, certainement. Pour la période antérieure, il y en a aussi, mais ce n'est pas toujours si clair. Et comme on l'a déjà observé au début de ces rencontres, le mot de mercenaire n'existe pas, ou pratiquement pas, en moyen français, ou alors c'est un adjectif que l'on appose souvent dans un contexte d'une façon un peu péjorative à celui qui travaille pour le salaire, par opposition à celui qui fait les choses sans salaire, sans rémunération, qui travaille pour lui-même. D'autre part, la notion de mercenaire ne se réduit pas à la perception d'une seule, pour la bonne raison que l'essentiel des gens de guerre sont soudoyés. Alors, comme finalement je ne recule plus devant rien, j'ai commis un gros anachronisme et j'ai regardé la définition des mercenaires dans les conventions internationales. Un mercenaire n'a pas le droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Ce point ne m'occupera pas pour l'instant. Deuxièmement, le mercenaire s'entend de toute personne, et puis vous voyez tout un tas de conditions qui, bien sûr, sont totalement anachroniques par rapport au contexte juridique de l'époque qui nous occupe. Mais enfin, après tout, mutatis mutandis, il y a le fait d'être étranger au pays ou à la communauté politique considérée, bien sûr, de participer effectivement aux opérations, d'être mieux payé que les naturels du pays, et de ne pas être membre des forces armées d'une partie en conflit. Alors là, c'est une présentation anachronique, mais on peut en garder l'esprit. Et de ne pas être envoyé par un État autre qu'une partie en conflit officiel en tant que membre des forces armées du dit État. Alors, bien sûr, ça, c'est totalement anachronique. Mais en tordant un peu la notion, on peut penser aux forces fournies par des alliés de tel ou tel prince. Et même si c'est formulé d'une façon totalement anachronique,
ça nous montre aussi une des limites d'emploi de la notion de mercenariat. Exit l'anachronie, c'était, vous voyez, mes petits schémas avec les effectifs. Ce n'est pas tout à fait négligeable, puisqu'il y a eu peut-être dans les 15 000 hommes en opération, et que, bon an, mal an, les Savoyards en ont fourni 1 000, 1 500, si on rajoute les piétons mobilisés sur place. Et puis à la fin, c'est plus modeste avec Louis de Poitiers. Donc mon premier point, ça va être de dire que ce sont plus des alliés que des mercenaires, au sens strict. Je vais d'abord, si l'appareil, voilà, veut bien avancer, me tourner vers une petite chose qui est tirée des rôles gascons, C61-49, c'est donc l'année 1337-38. Le sénéchal de Gascogne avait dû voir arriver une proposition ou un curieux personnage qu'il ne connaissait pas du tout, c'était le vicomte de Rocaberti. Oliver de Hingham ne devait pas connaître grand-chose à la Catalogne, et c'était une proposition de service qui a dû l'étonner, et on n'accepte pas quelqu'un comme ça, donc il avait dû en référer à Londres. Et cette lettre très courtoise est parvenue en principe au vicomte de Rocaberti, noble homme, le vicomte de Rocaberti. Alors, il y a quelques mots qui sont importants. Voluntari. Il n'agit pas par obligation. Le vicomte de Rocaberti a des obligations vis-à-vis du comte de Barcelone, roi d'Aragon, mais vis-à-vis de Édouard III, bien entendu, aucune. Il s'est proposé pour augmenter son honneur et son profit. Et vous voyez la réponse courtoise, Laudis veste preconum, qui répond à honoris incrementa, et retributionem uberem, j'ai oublié de souligner uberem, qui va avec profectum incrementa, l'honneur, le profit. Ces deux choses sont socialement, l'une et l'autre, acceptables. Mais on n'a pas vu de catalan. Retenons la notion d'un service sans obligation. Ça va être pareil pour les Savoyards, de quelque côté qu'on les trouve, parce que par définition, ils n'ont aucune obligation directe vis-à-vis du roi de France, même si leur comte a pu prêter un hommage au roi de France, et idem pour les gens de Viennois. Or, au printemps 1337, Savoyards, Dauphinois et autres sont l'objet de sollicitations parallèles. D'Édouard III, enfin le comte de Savoie est sollicité par Édouard III comme allié, et surtout le comte de Savoie est sollicité très fortement par Philippe VI de Valois. Il n'est qu'à se reporter aux vieux travaux de Jean Cordet sur les comtes de Savoie et les rois de France. Le comte de Savoie est convoqué au rendez-vous de Marmande dans le sud-ouest et d'Amiens. Chaque roi de son côté, de même qu'il va à la pêche aux alliés dans les Pays-Bas, eh bien, va à la pêche aux alliés dans les pays alpins. Alors, me direz-vous, des sollicitations vers les Savoyards ont été faites de la part d'Édouard III pour aller l'aider en Gascogne, a priori c'est complètement absurde, parce qu'on ne voit pas comment les Savoyards auraient pu rejoindre le terrain d'obligation. Il n'en reste pas moins que Édouard III s'est tourné vers Hugues de Genève, seigneur de Varray et Anton, dans la Bresse, pour aller solliciter des gens situés...
Attendez. Je vais, voilà. Situé dans une vaste zone que là j'ai entourée en noir. Alors, pourquoi ces sollicitations? Il est bien constant que le roi de France, ayant réussi à obtenir de véritables gages de fidélité du comte de Genève et du comte de Savoie, du dauphin de Viennois, c'était lui qui devait aller puiser le plus facilement dans ce réservoir militaire. Mais Édouard III, en servant une grosse somme à Hugues de Genève, en servant une grosse somme de 1000 marques à Hugues de Genève, qui a été payée sur les coutumes de la laine en 1338, attendait quelque chose de lui. En fait, Hugues de Genève a sollicité, là où vous voyez deux cercles noirs, voyez, un premier cercle qui entoure le Genevois, le pays de Gex, une partie du plateau suisse, une partie de la Franche-Comté, et également des gens de Viennois. Édouard III, via Hugues de Genève, qui avait un joli carnet d'adresses, a essayé de reconstituer une coalition qui avait eu lieu en 1325 entre, d'un côté, une coalition opposée au comte de Savoie, menée militairement par Hugues de Genève et politiquement par le dauphin de Viennois. Avec eux, il y avait le comte de Genève, le comte de Valentinois, donc contre le comte de Savoie et ses alliés. Guillaume Pépin, en travaillant sur le rôle 49, a pu identifier, et ça n'a pas toujours été très très commode, tous ces personnages, ou presque tous ces personnages, qui sont sollicités et que moi j'ai reporté d'une façon assez simple sur ma petite carte. En 1325, le parti dauphinois avait remporté un succès militaire face au comte de Savoie, justement à Varay, chez le seigneur devant le château du seigneur de Varay et d'Anton. Mais ce succès militaire était très vite devenu une sorte de déroute politique. Le comte de Savoie avait quand même pour lui une meilleure organisation et a réussi à s'imposer et même à détacher de la coalition son parent, le comte de Genève. Alors pourquoi vouloir se livrer à cette manœuvre? C'était peut-être envoyer des gens vers le théâtre d'opération du Nord, vu la distance, ça aurait coûté quand même un peu cher. Mais le but était peut-être de semer la perturbation dans les opérations de recrutement du roi de France. Et quand on voit l'assez bonne superposition entre les zones d'où viennent les hommes de Pierre de la Palue, du Gallois de la Baume et de Louis de Poitiers, et les tentatives, voilà, superposition partielle, et les tentatives d'Hugues de Genève, eh bien on se dit que l'idée était bonne. L'idée était bonne, mais évidemment le résultat était médiocre. Alors, si on se place du côté du roi de France, qui obtient hommage, promesse de service, service effectif du comte de Savoie, ce sont des alliés menés par des hommes de haute noblesse de leur pays d'origine, avec manifestement l'appui du comte de Savoie. Et quand on voit les provenances, on voit qu'il y a un nombre incroyable de gens qui viennent pile de Chambéry.
ce qui semblerait indiquer qu'ils ont été rassemblés peut-être par des officiers du comte de Savoie. C'est plus que probable. Mais vous vous rendez compte que mon enquête a ses limites, puisque j'ai travaillé avec des sources qui sont à Paris, des sources qui sont à Londres, mais que je n'ai pas eu le temps de faire l'enquête de complément dans les fonds savoyards. Manifestement, je n'aurai pas le temps de le faire. Alors, néanmoins, dans ces troupes alliées, y a des mercenaires, de vrais. Dans les retenues de Pierre de la Palue, on trouve des arbalétriers chinois, employés en CDD, pour un mois, pas plus, ou un mois reconductible. Nous trouvons aussi des mineurs fribourgeois, avec le Gallois de la Baume. Alors ça, ce sont vraiment des mercenaires. Et on peut appliquer les critères retenus. Les sergents sont souvent payés un sou par jour ou moins. Des charpentiers venus du royaume, de 2 à 4 sous par jour. En revanche, les piétons génois... sont beaucoup mieux payés. Pascal Incor, écuyer menant, alors le nom est très, très écorché, gagne 7 sous sidonniers par jour. C'est mieux qu'un écuyer de la meilleure qualité. Giovanni Picalcani, 6 sous 9 deniers. Et les hommes qui n'ont même pas de cheval à entretenir, je pense, sont payés 3 sous 8 deniers, 3 sous 4 deniers. Quand vous voyez la solde d'arbalétrier non génois, c'est beaucoup mieux. Ils sont payés cher. En revanche, les Savoignards, qui sont hommes d'armes, qu'ils soient écuyers à plein tarif ou écuyers de second rang parce que leur cheval ne vaut pas cher, eh bien, sont payés exactement comme les Français. 10 sous pour les chevaliers, 6,5 pour les écuyers. Pour les écuyers, à moindre prix, 5 sous. Pour les sergents, 1 sou plus ou moins. Le petit avantage des bannerets, c'est qu'on leur accorde leur ménestrel à cheval. Et bien entendu, pour les mineurs, c'est un tarif très variable suivant la qualité. Le mieux payé étant le mineur fribourgeois. De surcroît, les hommes venus du comté de Savoie sont mélangés à des régnicoles. Alors, régnicole n'est pas très de l'époque, mais j'ai trouvé, c'est un peu anachronique, mais après tout, j'ai pris ce mot-là. C'est commode et tout le monde comprend. Dans leurs unités, il y a des Français dans la compagnie de Pierre de la Palue. Que trouve-t-on ? Des bourguignons du duché, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Pour les chefs de montre, parce que pour les autres, je n'ai pas de renseignements nominatifs. Un seigneur auvergnat, des gens qui viennent, alors de simples écuyers qui repartent du côté de Saint-Pourçain, certains groupes de Savoyards ou de Franc-Comtois, justement, comportent ces auvergnats. Et d'autre part, alors Pierre de la Palue fait venir aussi des gens du Lyonnais. Il devait connaître, comme il avait été sénéchal de Toulouse, de Carcassonne, il devait connaître le châtelain de Lecate. Il le fait venir. Ce ne sont pas que des troupes d'étrangers au royaume. Mais vous comprenez que la première porosité, c'est d'abord celle de la frontière, parce que
La guerre entre les Savoyards et les Dauphinés a eu lieu, c'est aussi parce qu'il participait des seigneurs bourguignons qui avaient des intérêts dans l'affaire. En réalité, il y a beaucoup de seigneurs bourguignons et champenois, dont les Joinville, qui ont une branche dans ce secteur. Donc il y a des interférences dans le groupe aristocratique qui sont bien sûr un facteur de mélange, de non-clarté absolue, de non-séparation absolue entre les gens de Savoie, Dauphiné, Viennois et les gens du royaume. Et si vous regardez des comptes pour d'autres périodes, ça doit être là, non. Oh là là, j'ai fait un mélange. Si vous regardez des comptes d'autres périodes, vous vous rendez compte qu'en 1355, dans la bataille des maréchaux, vous avez une grosse quarantaine de chefs de montre qui sont savoyards, avec les francs-comtois, ça fait plus, quelques Allemands parlent là-dessus, sur les 225 hommes qu'ont les maréchaux. Et quand on regarde la liste, un tel du bailliage de Vermandois. La fois d'après, c'est un tel du bailliage du comté de Savoie ou de la comté de Bourgogne. Manifestement, ça n'a pas troublé le comptable. Ils sont là dans la bataille des maréchaux, comté de Bourgogne ou bailliage de Vermandois. Ben, c'est une référence géographique et on les met sur le même plan, au moins sur le plan comptable. Et puis, il y a une autre donnée à prendre en compte. Les piétons. Alors, ce sont ces mauvais piétons qui donneraient des cauchemars aux officiers bourguignons qui voudraient les remplacer par de bons arbalétriers, quelques 80 ans plus tard. Ce sont des gens de commun. Et quand on regarde bien les frais de retour, il n'y en a pratiquement jamais pour ces piétons. Alors, s'il n'y a pas de frais de retour, c'est qu'ils ne retournent nulle part. Autrement dit, qu'ils sont de provenance locale et qu'on les a intégrés à des groupes d'hommes d'armes qui étaient en opération sur place. Et au moment où, dans l'été, on fait de véritables sièges, on rameute des sergents pour bloquer les places, c'est là que les piétons d'origine locale sont nécessaires. On peut les verser dans les unités du comte de Foix, de même qu'on peut les verser dans les unités du Gallois, de la Baume ou d'autres. Alors, bien entendu, il y a quelques exceptions. On en trouve des arbalétriers qui reviennent de Montségur en Bazadé à la Savoie pour François de Grandmont. Il y a aussi des cas un petit peu suspects, comme celui des sergents de Louis de la Palue, dont le retour est payé à Villechastel, mais on peut se demander si ce n'est pas une tricherie, parce que ce sont des gens proches Louis de la Palue est un homme proche, est un parent, je crois que c'est le frère de Pierre de la Palue. Donc, des hommes d'armes étrangers au royaume, mais parlant une langue assez proche de celle des gens du royaume, que l'on fait combattre avec des gens du royaume, de tout état social, et alors ils sont la copie conforme des gens du royaume, avec leurs qualités et leurs défauts sur le plan de l'organisation militaire. Je ne parle pas des gens comme les arbalétriers génois. Là, c'est du clé en main, ils arrivent pour une date donnée, repartent à la date donnée, et... C'est vers là qu'il faut pointer le... Oui, vous jouez. Non, c'est vers là qu'il faut pointer le... D'accord. Oui. Voilà. Ce sont des chefs de montre au petit pied. Je me suis amusée pour chaque chef de montre à repérer son effectif maximal et à faire... Ce sont des données un peu artificielles,
et à faire la moyenne et la médiane. Des maximums, des maxima. Vous voyez que ça ne vole pas très haut. Et ce sont vraiment les maxima. C'est entre 5 et 7 dans la plupart des retenues, beaucoup plus des compagnies, beaucoup plus dans celle de Louis de Poitiers qui est assez différente, des médianes très basses. Eh bien, vous reconnaissez le portrait qu'a dressé des retenues des montres du début de la guerre de 100 ans, le professeur Contamine. Des petits groupes de 2 ou 3 menés par un écuyer dans un esprit d'indéfendance farouche. Ils arrivent par 2 ou 3, repartent par 2 ou 3. La fois d'après, il y en a 4. On voit servir parallèlement, c'est même caricatural, parfois 3 groupes menés par 3 écuyers portant le même patronyme. Ils doivent être de proches parents, peut-être fâchés, mais pas nécessairement. Mais c'est un esprit d'indépendance farouche, des fois qu'un chef de montre vienne garder pour lui quelques deniers, car ce sont des gains petits. Il y a bien sûr une modeste tendance à la concentration. C'est le cas de Regnault de Saint-Soupli, qui est présent en deuxième période de service dans la seconde compagnie de Pierre de la Palue, et qui passe de 4 ou 5 écuyers. Dans sa deuxième période de service, il devient chevalier. Immédiatement, il a le droit de lever bannière et se retrouve, c'est le succès, à la tête de 65 hommes. Alors là, c'est une tendance à la concentration. Quand il prend 65 hommes, il absorbe une petite compagnie, celle du seigneur de Tournebois, qui avait 3 écuyers, ainsi que d'autres petites compagnies. C'est cette cohue infernale qui est un cauchemar, certainement, pour les comptables. Alors, cohue infernale et de gens, mais qui arrivent pas pour la même date. Le seul qui arrive à faire arriver tous ces hommes à peu près à la date donnée, ben c'est le Gallois de la Baume. Alors, quand j'ai fait mes courbes, je les ai ajustées sur le 1er et le 15 du mois, ce qui là déforme un petit peu la réalité pour le Gallois de la Baume. Ça donne une courbe qui est en talus raide, alors que normalement, voyez, si j'avais donné les dates exactes, ça serait presque une verticale, elle serait subverticale. Ces hommes arrivent presque tous à la même date. On sent que le maître des arbalétriers est quelqu'un qui a de l'autorité et c'est s'organiser. Mais pour les autres, c'est une arrivée. Il y en a 2 qui arrivent un jour, il y en a d'autres qui repartent. C'est une noria constante. Et quand vous avez... il y a des fluctuations constantes d'effectifs. C'est certainement très difficile à gérer. Quand il y a... Alors, il y a des moments aussi de relève partielle. Par exemple, dans la compagnie de Pierre de la Palue, à la fin du mois de mai 1339, il y a 59 chefs de montre, enfin 62 chefs de montre qui 59 qui, 62 pardon qui partent, plus de 40 qui restent, 13 qui arrivent. C'est une relève. Et la plupart des gens qui partent avaient eu une période de service assez courte, de 2 ou 3 mois. Lorsqu'on regarde en fin de période de service, au moment du congé général, vous vous rendez compte que les gens qui ont servi avec le Gallois de la Baume sont arrivés depuis peu de temps. Ils ont 2 ou 3 mois de service. C'est une véritable noria. Et alors, avec toujours cette particularité qui marque l'esprit, la capacité d'organisation du Gallois de la Baume, c'est que 47 sont arrivés le même jour. Que 47 hommes arrivent le même jour, c'est un miracle.
que 47 chefs de montre arrivent le même jour, ça veut dire qu'il s'est organisé pour faire la montre ce jour-là, et tant pis pour ceux qui étaient arrivés la veille ou l'avant-veille, la montre c'était tel jour et pas un autre, bah, c'est une règle qui manifestement ne peut pas s'appliquer partout. En fin de service, vous voyez que les courbes tombent assez vite et on assiste en fin de service à une sorte de resserrement. Je ne vais prendre qu'un exemple, c'est pas la peine de les détailler tous. Voilà, je ne vais garder que Louis de Poitiers. Au moment de la baisse d'effectifs après les opérations importantes, on assiste pour l'automne à un resserrement des effectifs autour d'un noyau de gens qui ont servi depuis longtemps. Chez Louis de Poitiers, il y a eu un premier congé le 25 août 1341. Ceux qui partent le 25 août, pour 80% d'entre eux, étaient là depuis au mieux la fin juin, c'est-à-dire depuis pas très longtemps. Et si on regarde ceux qui partent plus tard, le 21 octobre, eh bien 70% d'entre eux étaient là avant le mois de juin. Autrement dit, quand on doit dégraisser les effectifs, on commence par délester le groupe des gens les moins aguerris et probablement de ceux qui sont malades ou blessés. C'est donc une gestion des effectifs qui est certainement très compliquée. Et nous voyons là la juxtaposition de personnes qui ont des types d'activité militaire très différente. Des gens qui font un petit tour en France après un délai de route de 14 à 17 jours aller et autant retour, ce n'est pas mal, qui font un petit tour sous les bannières du roi de France, et d'autres qui servent en continu plus de 10 mois, parfois plus de 14 ou 15 mois. Je détaillerai dans ma communication chaque courbe, mais comme c'était un petit peu technique à commenter, je n'ai pas voulu vous infliger trop de détails, de commentaires de courbes, surtout que je me rends bien compte que, vu de loin, ce n'est peut-être pas, des courbes, des graphiques en barre. On peut aussi tenter une approche non plus globale, mais une approche des personnes, tout au moins quand on arrive à recouper les éléments. En recoupant les éléments entre les quatre compagnies, les deux de Pierre de la Palue, celle du Gallois de la Baume et celle de Louis de Poitiers sur 3 ans. Alors, j'ai comptabilisé les effectifs, puis j'ai repéré 20 peut-être, parce qu'il y en a un pour lequel je suis un petit peu incertaine, parce que son nom est très commun. Une vingtaine de personnes qui ont suivi dans 2 compagnies successives. Il y a même un cas de fraude caractérisée, de chevauchement dans les paiements, mais bon. Ça, Barthélemy Dudrac et ses clercs n'ont pas réussi à le débusquer parce qu'ils n'avaient pas parallèlement de répertoire index. Donc, ils étaient à la merci de ce genre de choses. Je me suis donc amusée à regarder ces gens qui ont servi dans plusieurs compagnies. Alors, attendez, je pense que je ne commence pas. Peut-être par la bonne. En prenant les 2 compagnies de Pierre de la Palue. Voilà, je vais commencer par là. Avec à chaque fois leur maximum et leur minimum d'effectifs.
quand c'est en grisé, ça veut dire que les deux périodes de service se suivent. J'ai marqué en gras ceux pour lesquels il y avait une augmentation très nette de la première à la deuxième compagnie. Ce n'est pas le cas pour François de Gramont parce que les variations d'effectifs sont sur une seule compagnie. Pour Guichard de Marsonne et pour Renaud de Saint-Soupli, dont j'ai déjà parlé, c'est une véritable promotion personnelle qui les fait passer parmi les gens qui mènent une retenue assez conséquente. Mais Renaud de Longe, Jean de Lange, Renaud de Longecombe sont aussi des personnages qui ont une sérieuse expérience militaire. On pourrait multiplier la démonstration avec les autres recoupements entre compagnies. Mais il y a une limite que je regrette beaucoup. C'est que les professionnels, parmi eux, sont d'abord le Gallois de la Baume, Pierre de la Palue et Louis de Poitiers, qui est le maréchal de Lost de Jean de Luxembourg, en plus, et que je n'ai pas d'informations nominales sur les chevaliers qui sont avec eux, sur leurs écuyers. Donc, et là, il y a certainement un noyau de professionnels. Ce sont certainement les plus professionnels du lot. Le malheur, c'est que je n'ai pas d'informations nominatives. Et donc, c'est une moisson qui est à la fois relativement riche, mais qui débouche sur des interrogations. Toujours est-il qu'à ce stade, les mercenaires savoyards, enfin les alliés savoyards, ont le même chemin à parcourir que les naturels du roi de France, le chemin de la professionnalisation, du groupement en effectif plus cohérent, et que, somme toute, ce n'était peut-être pas une si riche idée d'aller puiser dans ce réservoir savoyard, qui en plus coûtait cher, parce que les délais de route étaient certainement beaucoup plus importants.